direction le désert des Tabernas, c'est à 9 km. Le Zeus, il est fatigué, il se repose un peu et moi je vais un peu en éclaireur. On y retournera demain matin ensemble. Enfin, demain matin. Demain midi. Et là, j'y vais en éclaireur un peu. Essayer de tourner un peu des plans extérieurs, etc. Sûrement lancer le drone en follow me. Let's go! On était arrivé en début d'après-midi et j'avais enchaîné direct. Je voulais préparer le terrain pour le lendemain. Il y a plusieurs entrées et là je vois une entrée genre Rio Bravo, la Fort Bravo, ça c'est une arnaque à touristes. Je suis persuadé que je peux trouver une entrée classique quoi. Ouais bah un mec il va jouer du banjo là-bas, c'est certain et tout, je vais pas y aller là-dedans. Là il y a une porte, mais je ne sais pas si c'est ouvert. Là-haut? Pour aller à droite et vers la. D'accord, okay. Merci monsieur. Là je suis arrivé maintenant, en fait je fais toutes les entrées, là je suis à Fort Bravo. Si tu peux visiter les studios d'Hollywood. Là ils ont fait tous les films de Sergio Leone. The Good, The Bad and The Ugly. Et moi ce que je voudrais c'est entrer dans 400 mètres. Oh mais tu connais rien en deux heures. Entrer dans le désert, tu vois. Lui m'a dit, mais il parle pas un mot d'anglais. Hein. Tu descends à Saint-Hermès, la escalade, la main escalade. Bon, j'ai compris gauche, 300 mètres. C'est tout ce que j'ai compris. Donc, on va essayer de voir. Voilà, là, je vois bien. Là, je suis... Donc là, je descends, normalement, 300 mètres. J'ai compris 300 mètres. 300, main escalade, il a répété 5-6 fois. Donc, à mon avis, ouais. En bas, il va y avoir un chemin sur la gauche, quoi. Tournez à droite. Non, bah alors justement, là ça serait à gauche. J'essaye. Hey, yes, papa. D'accord. Ouais, je vais essayer d'y tenter ma chance là. Et au pire, je reviens demain avec Zeus. Pas mal, hein. Voilà, là on entre dans le désert. Là, d'accord. Là, j'ai le smile. Là, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai plus de batterie dans le drone, mais demain, je reviens. Calme-toi. Dans 2 minutes, tu auras rejoint la route principale et dégoûté, tu rentreras à l'hôtel. C'est pas un peu fini leur bordel là? Si je veux avoir une chance d'entrer dans le désert des Tabernas, il me faut au moins 9 heures de sommeil. Hein. Sinon, j'aurai aucune chance d'y entrer là-dedans. Vamos, muchachos. Bonjour à tous et à toutes. Comme nous, on est le deuxième jour, on va encore essayer d'entrer dans le désert. Et notre ami ici présent a repéré un petit chemin. Ouais. Qui va peut-être nous envoyer au paradis. C'est ça qu'il faut faire, ouais, parce que les gars, ils sont relous. Tu dois rentrer, payer, je sais pas quoi. Là, il y a des petits chemins. Et voilà, le désert, c'est partout, quoi. C'est chaud. Chaud les marrons. Ça sent le traquenard, ça. Ouais. Ça va ? Non, ça va. Ah, s'il y a une voiture qui arrive en face, là, c'est marche arrière. Qui se démerde. Oh, putain. Hein ? C'est bon, ça. Serre plus par chez toi. Ouais, c'est bon chez moi. C'est bon ? Ouais. Chez moi, c'est bon. Mal barré, je vais tout direct. C'est génial. Hein? Ah ouais, ouais, ouais. C'est le désert, quoi. C'est pas gagné, mais c'est pas mal. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud, hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Quoique. Moi, je dis, on va là-bas. Ça a l'air d'y aller, hein? Ouais, on y va. Ouais. Hein? C'est bon, ça. C'est l'aventure. L'aventure. Et si on reste coincé, bah. Ah, si on reste coincé, on fera la life, les gars. La life. Eh bien, regardez ce qu'elle vous réserve, la life, les gars. Faut que tu mettes tes roues là-bas, comme ça, faut que tu fasses ça. Là, tu vas dans le truc. Faut que tu ailles là, tout droit. Comme ça? Un peu comme ça. De l'autre côté, comme ça, un peu. Mets-toi un peu comme ça, papa. Voilà, un peu comme ça. Vas-y. Viens, carrément, tourne. Putain. Vas-y, tourne. Encore? Ouais, bien sûr. Il y a le ravin là, les gars. Mais non. Descends dans la pente, regarde, tu la vois la pente là? Ouais. Ouais, mais là tu es pas. Avance.
redresse un peu. Voilà. Voilà. Look at that. On est mort de chez mort. Moi, je peux pas faire marche arrière. Hein. Ah ouais, c'est chou les marrons. Mais t'es ouf, on va se retrouver dans le ravin, il y a un ravin là. Il y a le ravino là qui est juste là, là. Le ravin, le ravin. Ok, tu me diriges. Ok, Seigneur. Putain, mais t'es ouf. C'est chaud le marron là. Franchement là c'est pas très impressionnant comme ça. Tranquille. Mais là je me suis bien chié dessus. Bah non, il y avait rien, papa, il y avait que dalle, c'était facile. Tu m'écoutes, tu fais comme je te dis, c'est bon. Allez go. De mi vida, amé mucho una mujer de mi alma, la más querida, me traicionó la perdida, caramba, qué ingrato y mal proceder, ella me hizo beber, ella me hizo un perdido, a la droga me tiré, amigo mío, y a la cárcel. Celui-là, là, en bas. Regarde, tu vois en bas là. Hier j'ai pris à droite. Ah bah putain, c'est mort. Hier j'ai pris à droite. Ouais. Et j'arrive sous le pont. Ouais. Là je voulais prendre à gauche, mais regarde où il amène. On est resté là un long moment, à scruter l'horizon, élaborer un plan d'accès à ces 280 km² de roches, de canyons et de ravins, tant de fois foulés par un Clint Eastwood déjà au sommet de son art, avant de se rendre à l'évidence. Impossible d'accéder au désert autrement qu'à pied. Je sais, ça se passe pas toujours comme prévu. Mais c'est le prix à payer pour faire un voyage comme ça en fait. Sinon tu t'organises tout et puis tu pars dans un voyage qui s'appelle d'ailleurs voyage organisé. Mais là il n'y a pas grand chose qui va t'arriver. Nous on préfère voyager comme ça avec de temps en temps des déceptions mais souvent de belles surprises. Du coup voilà, bah, on va encore être un peu frustré parce qu'on n'a pas pu entrer. Mais pas grave, on repart sur d'autres aventures, sur d'autres aventures. On va remonter doucement la côte et il va se passer encore des trucs, c'est sûr. Voilà, on sera arrivé au pied du désert. On a juste pu jeter le drone. Le drone, il a vu. Mais pas nous. Cartagena. Alors aujourd'hui, une petite note sur... sur Puica Concha. Une grande chanteuse de flamenco et on est en route vers de nouvelles aventures. On va vers Cartagena. Puisque nous sommes en Andalousie et que c'est le fief du flamenco, je vais aujourd'hui vous parler d'une très grande chanteuse que moi je mets à côté de Cesaria Evora, Amalia Rodriguez, Celia Cruz, qui s'appelle Buica et qu'on connaît aussi sous le nom de Buica Concha. Elle est d'origine africaine, ses deux parents sont de Guinée équatoriale. Ils arrivent à fuir le régime et ils viennent se réfugier en Espagne, à Majorque. Et c'est là donc que naît la petite Buica. Donc ils sont juste à côté du quartier Gitan. Et la petite Buica aime bien les voir jouer de la musique, voir les femmes danser le flamenco, etc. Donc elle est assez fascinée par ça étant petite. Et complètement acceptée par la communauté gitane. Ce qui est quand même pas banal dans fin des années 70, d'être noire.
en Espagne, sur une île en plus. Elle s'est mise à chanter avec les gitans et à chanter du flamenco. Et là, wow, tout le monde s'est dit, wow, quelle voix incroyable, qui mélange vraiment les plaintes du flamenco et en même temps une voix très rauque, très, très africaine. Elle fait aussi de la musique funk, soul, elle a fait même un album jazz. Elle a invité Pat Metheny sur scène, donc des grands du jazz quand même et tout. Elle a joué avec pas mal d'artistes. Je me rappelle qu'elle a joué aussi avec Anushka Shankar, la fille de Ravi Shankar. Donc elle a mélangé flamenco et musique indienne. C'est très intéressant ça, puisque le flamenco et les gitans viennent d'Inde. C'était un peu le retour aux sources du flamenco finalement. C'est vraiment extraordinaire, moi j'adore. C'est impossible de pas avoir la chair de poule en écoutant Bouika. On vient d'arriver à un spot qui se trouve à 15 bornes de Aguileras, sur la côte espagnole, toujours dans le sud. Un spot qui nous a été recommandé par Park4Night, super application. C'est pas un camping, mais c'est un spot sur la plage. Tu peux brancher l'électricité, ce qui est génial pour nous parce que notre frigidaire ne marche pas. T'as de l'eau, t'as des douches. On est bien, la plage elle est juste là, on va se baigner direct. Là ? Ok papa. Ok señor. Comme ça ? Je suis tombé sur un protectionniste. Je vais te le mettre à 5 cm plus à gauche, il est beau. Allez, ahora bien, si. Bien, bien, ahora para adelante. Comme ça ? Un petit peu en avant. Oh putain ! Non, mais c'est aussi. Deux maths. Petit peu. Recommence. Et d'un ? Recommence. Encore ? Ouais, ouais, vas-y. Tu dois savoir, c'est à cause du fil électrique. Vas-y. Voilà. Ouais, non. C'est bon ? J'ai. Voilà ! Park4Night te réserve parfois de bonnes surprises. Et même si ce soir-là, on n'était pas seul au monde, on venait de se trouver un spot au calme, à quelques mètres d'une mer chaude et à proximité immédiate d'une prise électrique, indispensable connecteur qui, tout à l'heure, nous permettra de boire nos bières à la température exacte. Un grand merci à Mimi77 qui, en ayant pris la peine de répertorier l'endroit sur l'application, venait de nous sauver la soirée. La première bière sera à ta santé, Mimi. Voilà, on vient de faire les courses, c'est un peu de la merdasse parce que ça nous évite de retourner à la ville pour faire les courses vraiment. Donc là, on a acheté ça dans la station service. Cancérigène, je ne sais pas. Cancérigène, je sais que c'est pas mal. Mais bon, pour ce soir, ça va aller. Ça, tu crois que ça se monte? C'est frigidaire, bien évidemment, t'es ouf ou quoi? Pas de risque? Aucun. Déjà que là, tu vas tomber malade avec ça. Ça, c'est certain. Oh. Violent, hein. Bon, on a tout ce qu'il faut, non? On est bien? Ouais, ouais, ça va. Franchement, ça, ouais, ça va. Ça, quand même, ça, on oui. Jamais, hein. Ça aussi, les choukis. Chouki, chouka! Allez, frère! Le parti, parti. Nous, c'est parti, c'est direction de la playa. Ouais. Eux, ils sont au top. Tiamac. La table juste sur la mer. Ouais, donc le petit bar sur la plage, super sympa. Et en fait, ce qui est bien, c'est que moi, je fais nager un peu là. Et pendant la session, en fait, quand tu nages un petit moment comme ça, tu perds la notion d'espace. C'est-à-dire que tu sais plus trop si c'est en Espagne, au Portugal ou en France. Et ce qui est génial, c'est que tous les détritus qui sont en plastique que tu croises sous l'eau sont écrits en espagnol, bien sûr. Du coup, tu as un point de repère, tu sais où t'es. Sympa, hein? Allez, on y va. Eh ouais, c'était le seul élément qui venait gâcher la fête. Parmi tous les déchets qu'on pouvait apercevoir sous l'eau, mégots, emballages plastiques, bouteilles, 80% étaient d'origine terrestre. À croire que les consciences n'étaient pas encore toutes éveillées. Yeah.
c'est la funk. Tu vois, c'est pas funk, c'est pas funky, c'est pas non, c'est la funk. Ouais, ça a rien c'est, à voir. C'est pas pareil. C'est un petit mix de... C'est pas pareil. Tu vois, la funk c'est gras. Ouais, c'est gras, c'est lourd. C'est gras, c'est lourd. Ça groove sévère. Et tu peux pas faire autrement que de bouger, quoi, c'est tout. Eh oui, la musique. Elle est partie intégrante de la chaîne. Le jour, la nuit, on l'écoute, on en parle et on la joue. Mais l'idée, c'est tout de même de jouer à plusieurs, avec des gens que tu connais pas forcément, mais qui ont vibré sur les mêmes mélodies que toi. Les rencontres musicales n'ayant pas encore eu lieu, on a eu l'idée d'appeler les potes, et ça a donné ça. Almasora.
Tu vas là, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Le câble. Almasora, c'est séquence nostalgie parce que je venais ici quand j'étais plus jeune. J'ai un ami d'enfance qui s'était installé ici et je venais souvent l'été là. J'ai retrouvé sa maison. C'est un délire. Je l'ai appelé et tout, j'ai envoyé la photo. Là. Et lui, il va prendre une claque aussi parce que putain, c'est souvenir. Allez, là, je vais donc faire les courses pour ce soir avant que ça ferme. Et on va se caler sur la plage. Tranquille. Voilà, you have pan. Pan? Pan. Pan, barra de pan? Si. Allí, al otro lado. Ah, il y en a deux. Allez, c'est vraiment los cuatro, la barrilla, la ligne. A ver. Ok, super. Gracias, sí. Parfait, parfaite. Excusez-moi, mais je vais vous prendre la musique. Je vais peut-être en profiter pour faire les petites éloges, enfin les grandes éloges plutôt, de ce grand monsieur qu'on écoute là et qui est Pee Wee Ellis et qui est décédé il y a quelques jours. Alors, c'est le premier malheureusement à être parti des trois Lascar, les Honey Horns. Donc Maceo Parker, Fred Wesley au trombone, Maceo donc au saxo et Pee Wee Ellis aussi au saxo. Et lui, Pee Wee Ellis, Détroit, donc ils jouaient, ils étaient derrière James Brown au début, hein, c'était ensuite les GBs. Et Pee Wee Ellis, c'est vraiment la clé maîtresse des cuivres des GBs parce que c'est lui vraiment le principal. Arrangeur, vraiment, c'est lui qui a toujours arrangé toutes les sessions cuivre derrière, c'est lui qui arrangeait le plus souvent, et aussi compositeur. Et donc voilà, et en plus j'ai eu la chance de le connaître, et c'était vraiment quelqu'un de très 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 gentil, super humble, paix à son âme, et voilà, on lui rend hommage. Mais ouais, puis oui. Un monstre énorme. Ah ouais, quand tu te réveilles et que tu vois ça, bercé par les vagues et malheureusement par les ailes de moustiques, ça le thé va, hein? Eh bien, tu n'as qu'une envie, c'est de prendre un bain. Goûter une dernière fois les bienfaits d'une plage quasi déserte avant de reprendre la route pour la France. Parce que oui, cette première saison se terminera ici, à 70 km au nord de Valence. Un voyage qui restera longtemps gravé dans nos esprits. Parce que c'est le premier, très certainement, mais surtout parce qu'il a été marqué par des rencontres riches et symboliques. Jay, Akut, Geneviève et Guy, des destins différents, mais la même volonté, écrire leur propre légende personnelle. Le refus d'une société au rythme infernal. Une rat race dans laquelle on échange 2 jours de liberté contre 5 jours de travail. On passe notre vie à attendre. La fin de la journée, la fin de la semaine, le début des vacances et le début de la retraite pour enfin se poser la question pourtant cruciale. Qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? En se la posant il y a bien longtemps, ces quatre-là avaient déjà fait une bonne partie du chemin. Ça demande du courage et une remise en question complète de la personne qu'on a pu être avant, par procuration. Il leur restait à se construire une vie en accord avec leur propre définition du bonheur. Parce qu'en la matière, c'est vraiment chacun la sienne. Merci de l'accueil que vous avez pu faire à la chaîne. On reviendra vite pour de nouvelles aventures. Pendant cette courte pause, on vous demande de bien vouloir faire vivre la chaîne un maximum. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et partagez un max avec vos amis. Le but du jeu est d'apparaître très vite dans les suggestions YouTube. Afin que la chaîne prenne vraiment son envol. Le compte Insta au sud de nulle part vous sera envoyé dès sa création. On vous embrasse et prenez soin de vous.
tears from the start.